Avec plus de 600 000 exemplaires vendus de l'album Paradise et l'énorme succès de J'ai demandé à la Lune, Indochine est revenu sauver les charts envahis par Jennifer et la Star Academy. Pour parler de ce carton mérité avec Nicolas, le chanteur d'Indochine, le JDM a roulé jusqu'à Amiens où la tournée archi-complète du groupe faisait escale. Au fait, Nicolas, vous le trouvez comment ? Il est très beau. Il est bien habillé. Il a su rester jeune malgré ses nombreuses années d'existence. Il est super bon. Oh, c'est pas mon style, on va dire. Il nous représente bien, il parle bien de nous. Ah, Nicolas, c'est tout Indochine. C'est pas parce que ça marche que j'ai changé, quoi. J'ai passé vraiment l'âge de ça. On a compris, sur disque comme sur scène, Nicolas, c'est un peu le leader charismatique. Mais il y a quand même un petit quelque chose en plus que vous appréciez chez Indochine. Le côté moins commercial que certains autres groupes. C'est pas parce qu'on a un succès là surdimensionnel que ça changera nos convictions. On a fait une seule télévision, dite de variété. C'est tout. Donc, pour parler très vulgairement, on a mis un titre numéro 1 en France sans succès de quoi. On se rassure dans les chaumières, même assis sur sa collection de disques d'or, Indochine garde la tête froide et ne reste pas dupe. Je ne comprends toujours pas que les élèves de Popstar ou de Star Academy n'aient pas brûlé leur château. Je ne comprends pas. Ils sont tous là à gueuler. Je n'arrive pas à comprendre. La première chose que j'aurais fait, c'était brûler le château. Avec le prof au milieu, sauf Armande, parce qu'elle est gentille. Ouf, eh bien Armande a eu chaud. En tout cas, si vous avez la chance d'aller voir Indochine en concert, révisez bien les paroles, car on vous prévient, la concurrence est rude. Quant aux fans hardcore, ils peuvent même se procurer la petite culotte de Paradise, vous savez, la pochette de l'album. Mais attention, c'est taille unique. Il y a des fanatiques, en plus c'est des collectionneurs, il y a des gens qui portent pas ce qu'ils achètent. Bon, on a fait un petit modèle un peu sage, donc il y a la jeune fille effectivement qui correspond au cœur de cible si tu veux. Et puis t'as les mecs un peu, je paye ça à ma copine, genre la surprise. Hier on a discuté avec pas mal de fans à Lille. Là j'ai vu qu'il y avait un fan qui traînait, qui voulait faire finir sa guitare, donc on l'a invité ce soir. Et tout ça. C'est possible que ce soit la dernière grosse tournée d'Indochine. Oh bah non Nicolas, faut pas nous dire des trucs comme ça. Bon, s'il y a bien un groupe français à voir cette année en tournée, c'est Indochine. Alors dépêchez-vous en attendant l'apothéose à Paris-Bercy le 3 juin 2003.